à ceux qui sont dans la moyenne, à ceux qui n'ont jamais volé, à ceux de confession chrétienne, à ceux d'opinion modérée, à ceux qui savent bien se plaindre, à ceux qui ont peur du bâton, à tous ceux qui n'ont rien à craindre, je dis que Pierre est en prison. Dormez en paix, monsieur le juge, lorsque vous rentrez du travail, après le boulot de déluge, tant pis pour les petits détails. Aujourd'hui, cette affaire est close, une autre attend votre réveil, la vie d'un homme. Peu de choses à côté de votre sommeil. Soyez content, juré notable, vous avez vengé proprement la vie tristement respectable que vous meniez depuis longtemps. Qu'on vous soit différent suppose, par obligation qu'on ait tort, la vie d'un homme est peu de chose à côté de votre confort. Soyez satisfait, commissaire, vous n'avez pas été trop long à mettre un nom sur cette affaire. Tant pis si ce n'est pas le bon. Tant pis si chez vous on dispose de moyens pas toujours très clairs. La vie d'un homme et peu de choses à côté d'un rapport à faire. Rassurez-vous, témoin du drame, qui n'étiez pas toujours d'accord, puisqu'aujourd'hui on le condamne. C'est donc que vous n'aviez pas tort. Vous êtes pour la bonne cause. Vous avez fait votre devoir. La vie d'un homme est peu de choses à côté de votre mémoire. Tu n'aimes pas la pitié, Pierre, aussi je ne te plaindrai pas. Accepte juste ma colère, j'ai honte pour ce peuple-là. Je crie à ceux qui se reposent, à ceux qui bientôt t'oublieront. La vie d'un homme est peu de choses. Et Pierre la passe en prison.